Bonjour. Oh là là. Ok. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à la méthode GUN. Vous êtes venu de Suisse pour adopter la méthode GUN et vous êtes venu avec... Aiko. Alors c'est Aiko, une chienne croisée berger. Enfin je l'ai adoptée dans un autre pays, donc Kosovo. Au début ça se passait plutôt bien au niveau relationnel avec les gens. Au Kosovo elle vivait plutôt dans une ferme, à la campagne, elle a été peu sociabilisée. Elle a vu peu de congénères. Arrivée à Genève, elle était côtoyée à plein de congénères, plein d'adultes, plein d'enfants, plein de choses nouvelles. Au bout de 3 semaines, comme ça, elle est devenue agressive avec tout et tout le monde. Au début, on l'a emmenée aussi dans des parcs à chiens pour fermer, pour la sociabiliser avec d'autres chiens. Ça s'est plutôt bien passé les premiers temps. Et puis un jour, elle s'est fait attaquer par un caniche royal. Et depuis là, en fait, elle attaque les chiens aussi. Elle a eu super peur et à partir de là, elle était bloquée. Je l'ai plus ramenée parce que du coup, elle a fait exactement la même chose, elle, aux autres chiens après. Elle les coursait et elle voulait les attaquer. J'ai demandé à une éducatrice canin ce que je pouvais faire et elle m'a donné la méthode de la récompense en fait, aux croquettes, aux petits cervelas, enfin voilà. Bonjour. Oh, oh là là. Ok. Et ben alors, qu'est-ce qu'il se passe? Là, voilà. Regarde la friandise. C'est friandise. Oh, tiens. Regarde. T'as vu, t'es gentil avec la friandise. Ça se voit. Ah bah y'a rien. Ah y'a plus. T'as plus. On est là. Tiens. Regarde. La friandise. Tiens. Tiens. Et y'a plus rien. Je vais vous expliquer en détail mon intervention. Vous avez pu constater que le chien réagissait par des aboiements de plus en plus intenses en fonction de mes différentes actions. Je décide donc, après avoir analysé précisément les signaux du chien, que son intention n'était pas celle qu'il voulait nous faire croire. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pris l'initiative de vous montrer que je pouvais faire cesser l'aboiement par un simple geste de la main en lui faisant croire que j'avais quelque chose dans cette dernière pour la pâter. Combien d'entre vous se reconnaîtront dans cette situation ? On comprend ici très clairement que le chien cesse les aboiements dès qu'il pense que je lui donne quelque chose, alors que je n'ai rien dans les mains. Cela provoquait de l'intérêt, mais dès qu'il s'est rendu compte que je n'avais rien lui donné, il a repris ses aboiements intempestifs. Il faut savoir que les chiens ont développé des capacités impressionnantes de compréhension de nos émotions en scannant tous les traits de notre visage. La lecture de nos signaux faciaux leur permet de nous comprendre. Malheureusement, le détournement d'attention par un aliment vient parasiter ce processus de compréhension. Avec une friandise, le chien se focalise uniquement sur mes mains. Résultat, il ne comprendra pas comment réagir face à une situation précise, à part détourner son attention. Son mauvais comportement ne sera donc jamais véritablement solutionné. Allons plus loin, comment le chien peut comprendre de ne pas manger du poison à l'extérieur si on le récompense à chaque fois par de la nourriture? Ça n'a pas de sens, ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vous invite à consulter l'article que j'ai rédigé, où j'explique pourquoi je n'utilise jamais de contrepartie alimentaire pour l'éducation des chiens. Cet article est disponible sur le site la méthode GUN.fr. Moralité, si vous ne voulez pas perdre de temps et prolonger le mal-être de votre animal, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer comme cette propriétaire. Les gunners qui me suivent depuis tant d'années, vous le savez, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais sous-estimer l'animal. Pour ceux qui souhaitent réserver un stage, je serai ravi de vous partager mon expérience afin de vous aider à développer un véritable lien avec votre animal. L'éducation ne s'improvise pas, la vie est courte, n'attendez pas. Et j'ai vu que quand il n'y a pas, ben voilà. Une fois, je suis partie en fait sans les croquettes et j'ai remarqué que finalement ça servait à rien. Elle était comme avant en fait, ça servait absolument à rien. Donc j'ai arrêté cette méthode. Alors, vous attendez à voir Dexie. Vous allez la rencontrer pour la première fois, vous l'avez connue à travers les vidéos. Vous allez voir que Dexie est une chienne extraordinaire, une chienne bienveillante, une chienne douée, une chienne expérimentée, une chienne empathique. Selon vous, comment votre chienne va accueillir Dexie, la chienne thérapeute? Pas très bien, je pense. Elle va... Enfin, comme elle fait avec les autres chiens, je pense qu'elle va être agressive. Enfin, elle va aboyer, elle va montrer les dents. J'ai un petit peu peur qu'elle la morde. Et bien alors c'est parti. Dexie, la chienne spécialisée, la chienne thérapeute, c'est maintenant. Aiko, je pense que Dexie, elle a voulu voir sa réaction quand elle est arrivée en lui aboyant dessus. Aiko, en fait, peut-être le langage était de « oui, bah, je t'engueule parce que t'as pas à trop porter comme ça » ou elle lui a certainement déjà communiqué certaines choses. Okay. Malgré ça, le chef spécialisé a sauté quand même sur moi pour me dire qu'on pouvait passer à l'étape suivante, qui va être de détacher l'animal et la relance. Ça veut dire qu'effectivement qu'il faut véritablement détacher l'animal. Incroyable, et elle me le répète pendant que je lui parle, elle est concentrée sur ce chien. C'est incroyable. On lui enlève vraiment, c'est ça. On va lui enlever. Et ben oui, c'est la chaise spécialiste. On va lui enlever. Alors, quand la chaîne spécialisée vous a sauté dessus pour vous dire de détacher Aiko, je me suis dit, oula, elle est... Moi, j'étais pas prête, en tout cas. Je me suis dit, c'est pas le moment, quoi. Enfin, ouais, je me suis dit, bon, ben, si elle le dit, entière confiance en Dexie, donc on y va. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu sceptique, quoi. Je me suis dit, et en fait, non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, et pour ça, elle est extraordinaire, Dexie, parce que d'avoir comme ça confiance en Aiko et de dire, ok, malgré que... Elle lui a vraiment montré vilain les dents, ouais, et si rapidement en fait, je pensais que ça prendrait plus de temps, en fait. Et ça a été assez rapide et ben, bravo. En tout cas, il y a un très net changement. Dans quelques instants, on va vous mettre en situation avec un nouveau chien, un chien qui est en stage chez nous à la méthode GUN. Votre chien sera sans laisse, ils vont se rencontrer pour la première fois. On est parti? Oui. Allez, go! Franchement, c'est une expérience unique. Et très positive. Les gens vont dire je fais pleurer les gens. Non mais c'était notre dernière issue de secours parce qu'on ne comprenait plus Aiko. Enfin, on avait un peu abandonné. Moi quand elle aboyait, qu'elle aboie, j'en avais marre. Je ne savais plus quoi faire en fait. Et en fait c'est toute cette pression qu'on a eue avant de venir ici et de se dire que ouais, finalement si on avait su plus tôt, qu'on avait connu plus tôt la méthode GUN, c'est clair qu'on serait mis beaucoup plus tôt. Parce que quand elle est arrivée à 1 an, en fait, il y avait déjà ces troubles et on n'a pas vu tout de suite. C'était crescendo et on s'est dit qu'on allait s'en sortir avec ce que nous on avait appris et ce qu'on nous disait. Et voilà, mais on a trop attendu. Enfin, moi je ne connaissais pas du tout cette méthode. C'est à force d'en avoir marre et ma fille m'a dit mais il doit quand même y avoir une solution et c'est là qu'elle est allée chercher sur internet. Et vous êtes venue de Suisse pour venir jusque dans le Loiret, ouais, pour adopter la méthode GUN. Et en fait, on est arrivé, moi quand je suis venue ici, en fait moi j'avais plus d'espoir. En fait je me suis dit c'est mon dernier truc pour cette chaîne parce que vraiment je sais plus, j'étais perdue en fait. Je savais plus si je faisais bien, pas bien, je comprenais pas pourquoi elle comprenait rien. Voilà, donc là maintenant j'ai compris plein de choses et j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Bon, en tout cas, j'étais ravi de vous avoir accueillis. Merci d'avoir adopté la méthode GUN. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles par rapport à l'évolution avec votre compagnon. Vous pouvez me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux comme vous connaissez. Instagram, Snapchat, Facebook. Merci infiniment d'avoir adopté la méthode GUN. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de tout cœur à Dexie. Merci à vous. Et vous-même. Merci. What's next? You know we're getting older. When all we do is trying, it only makes us stronger. Bah déjà mes mots c'est en premier c'est grosse découverte. Déjà la découverte de toi, de Joseph, de la méthode par exemple, mais surtout de l'échange aussi avec moi. Mais bon, l'enrichissement sur le terrain est tout autre quoi. C'est vraiment un échange de A jusqu'à Z, on en apprend quoi. Déjà sur nous-mêmes et déjà sur le chien. Déjà toi tu m'avais cerné le chien voilà, en 10 minutes même pas, c'est incroyable quoi. Et Dexie est incroyable mais Joseph l'est tout autant quoi, voilà, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'enrichissement, bon, c'est vrai que ça m'a apporté énormément déjà sur moi, sur mon comportement à moi et après à ne pas reproduire justement les choses qu'il ne faut pas faire par rapport à mon chien et d'avoir un échange plus global et plus direct, on va dire, sincère tout simplement. C'est surtout que moi on m'a appris tout et son contraire et puis que là j'ai l'impression d'avoir appris des choses qui sont bah, naturelles déjà d'une part et puis logiques finalement. Là j'ai appris que je vais pouvoir faire sans le forcer, qu'il le fasse par lui-même quoi, pas qu'il soit obligé. Repartir sur des très bonnes bases on va dire quoi, c'est franchement hâte de pouvoir mettre en œuvre. Si on avait pu venir dès le début, en tout cas je parle pour moi. Moi pareil, je serais venu directement, ouais, honnêtement. Franchement, faut pas hésiter hein, de venir. Je t'aurais même peut-être appelé avant de le choisir, le chien. C'est vrai? Ouais. Histoire de prendre rendez-vous. On vient chez toi, on apprend les bonnes choses, on n'a pas besoin d'aller 10 fois chez la même personne. Voir vraiment en vrai, mais c'est la folie quoi. Comment elle regarde, elle observe tout, elle sent, elle écoute, elle... Mais et là, de la voir maintenant, elle est impressionnante. C'est impressionnant comment elle agit en fait. Il n'y en a pas 10 000 des chiens comme ça, hein. Franchement, bravo. C'est fou. Je pense qu'il faut venir, voir, se rendre compte aussi en direct, puis qu'on fait un peu fausse route malgré tout. Moi en tout cas, mon parcours, ouais, je considère avoir loupé des choses. Ouais, qu'on ne tient pas suffisamment compte du chien lui-même, de ce qu'il veut, de ce qu'il est exactement. On veut qu'il rentre dans une case, on veut qu'il soit de telle façon. C'est vrai qu'on passe à côté de certaines choses, on obtient des résultats, mais finalement, il y a des chiens, la preuve, ça marche pas. Donc c'est que c'est pas une méthode qui fonctionne plus que ça. Ouais, malgré le fait d'avoir écouté, suivi les conseils de vraiment professionnels, parce que c'est des vétérinaires comportementalistes, etc. J'ai pas juste appris avec d'autres éducateurs de clubs, j'ai suivi des stages vraiment de pros, des gens qui ont fait des études, qui ont vraiment analysé les comportements, etc. Toute cette approche que tu m'as montrée là sur les 3 jours, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais eue en fait. Sur 20 ans d'expérience, ce qui est dommage. C'est très dommage. Parce que je suis éducateur, c'est Sylvie qui le fait. Donc j'ai l'approche d'avoir un peu plus de recul par rapport à elle qui est vraiment dedans. Et sur ce côté-là, je dirais qu'en tant que professionnel, il faut ouvrir ses chakras et il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et en fait, qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Mais c'est déjà de voir et c'est surtout après de juger sur les résultats. Ici, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, c'est de la méthode naturelle. On écoute le chien, on revient aux basiques du chien et on va essayer de s'adapter aussi au chien. C'est-à-dire que le chien, à un moment donné, il va vivre et on va recréer du lien, mais différemment que par rapport à ce qu'on essaye de lui inculquer. On n'est pas dans le... Enfin, par rapport à ce qu'on voit ici, on ne va pas essayer de forcer quelque chose au chien, on va essayer de s'adapter au chien pour arriver à le capter à un moment donné sur un signal, sur un regard, sur un geste. Et puis voilà, là c'est le bon moment, on y va, on va le rappeler. Et ça va recréer du lien. Et c'est ça en fait qui est important. À un moment donné, ils vont peut-être se dire « Ah mince, ma méthode elle ne marche pas avec tel chien, il faudrait peut-être qu'on essaie autre chose, j'ai peut-être vu quelque chose ailleurs, bah essayez peut-être quelque chose ailleurs. » Et ça peut être aussi de l'ouverture. De toute façon, ça a été ma démarche complètement. Voilà, j'ai appris une méthode, je me rends compte qu'avec Paddy elle ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu... je pense cette ouverture d'esprit et c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de venir. C'est vrai qu'il existe beaucoup de méthodes, mais je pense qu'elles ont chacune leurs limites. La méthode naturelle avec la nourriture, bon voilà, c'est quelque chose qui pour moi ne fonctionne pas du tout. Les gens pensent que ça fonctionne parce qu'ils ont un chien qui les suit tant qu'il y a la carotte, mais quand il n'y a plus cette friandise, il n'y a plus de chien en fait. Ils n'ont pas créé la complicité avec le chien, il n'y a pas de lien en fait. Le chien travaille pour quelque chose, c'est juste la nourriture, une fois que ça disparaît, le maître n'existe pas en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, c'est pas possible. Bon, enfin voilà, moi c'est un chien que je veux emmener partout, et sans complicité pour moi c'est pas possible. Si je veux avoir plaisir à vivre avec mon chien, j'ai besoin de ce lien. On te suivra de très près. Pour voir ta progression et ton évolution. On va rester évidemment en contact. J'invite tout le monde à venir... À venir voir par ses yeux, effectivement, tout ce que tu as créé aussi de tes mains pour donner cet outil de travail qui est quand même assez sympathique. Merci en tout cas. Bonjour. À son âge, déjà agressif. Ouais. Le fait que tu te remettes en question, justement, c'est ce qui va te permettre d'être performant dans ce que tu vas entreprendre au quotidien avec ton chien. Tu es dans la certitude dans les actions que tu as menées. Regarde bien, lorsque tu as affaire à quelqu'un qui souhaite te serrer la main, lorsque tu changes effectivement cette main pour pouvoir te dire que mon chien peut parfaitement sauter sur l'individu, le fait de changer de main avec cette poignée pour pouvoir serrer la main, en toutes circonstances, ton chien peut montrer sa joie, pouvoir s'exprimer vis-à-vis d'une personne ou montrer un peu ses dents comme il a pu faire au début de cette vidéo. Là, il ne peut pas le faire, il ne peut pas commettre l'action. Parce que si le chien commet l'action, il l'a déjà commise et ensuite tu lui dis de ne plus le faire. Il l'a déjà fait. Ça, en 5 minutes, c'est incroyable, c'est fou quand même. On penserait pas comme ça, mais comme elle a déjà changé de comportement, c'est incroyable. Là, elle est en train de regarder, puis d'un coup, boum, elle est partie. Elle les a séparés. Ah ouais, c'est... Elle lui a dit tu vas trop fort. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est là, on regarde à droite, à gauche, mais elle a toujours... Elle les observe. Elle est toujours à l'écoute et elle les surveille. tes chiennes sont très empathiques, on le voit tout de suite, elles ont des yeux comme ça, enfin je veux dire ça trompe pas, le regard, ton regard, le regard de tes chiennes, ça trompe pas. Et c'est déjà très rassurant au premier abord quand on vient ici, quand on parle avec toi, quand tu nous expliques les problématiques, les solutions, le déroulé du stage. Ça, moi je trouve que j'étais mis en confiance très rapidement par rapport à ça. C'est génial quoi, les 3 jours de stage c'était fantastique quoi. Les gens voient surtout ce qu'il y a sur YouTube, mais tout l'envers du décor, le côté humain que tu peux apporter par rapport à nous, aux chiens et tout ça, les gens le voient pas forcément tu vois. Venez, c'est la méthode GUN. Sans aucune hésitation. Voilà.